Voilà. Et ben on va faire un tout droit et gauche. Ouais, on peut pas là. C'est quoi de ce ponton à la con? Ah les enfoirés. Ils nous obligent à faire tout le tour en fait. C'est ça. Ah bah allez, on se trace. Hein. Faut que je les défonce absolument. T'es là pour ça, tu défonce-moi tout le monde. Tiens, toi. Là ça commence à être un peu tendu là. Putain, j'espère qu'il voulait pas avoir le bâton. Wow. Non, 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 non. Ça va repartir, ça va repartir. Restez-moi une pour vous. Avertir Bowman de faire récupérer le bateau. Quand les Técos de l'ISA ont réexaminé ce rafio, ils auront une meilleure idée de ce qu'El Cerebro est capable de produire. De câble. Beau boulot, Akai Manak. La destruction des sous-marins a permis de plus d'un tiers les sous-drogues vers la Floride. Et le matériel qu'on a intercepté, les infos qu'on a trouvées sur le prototype d'El Cerebro. À première vue, il était en train de construire un sous-marin sévèrement burné. Le genre capable d'aller jusqu'en Europe, sans aucun risque de se faire détecter. Ah ouais, quand même. Bonne nouvelle, on a réussi à identifier El Cerebro. Nos intels nous ont aidé à combler les vides. J'envoie toutes mes infos d'ici une minute. Formidable. On l'a localisé, notre cerveau fou. Négatif. C'est une vraie anguille. Il a plusieurs plans. Il ne s'arrête jamais deux fois de suite au même endroit. Enfin, c'est quoi le topo. Par contre, il a un assistant qui fait l'essentiel du travail de terrain. Eh. Il passe suffisamment de temps au téléphone pour qu'on ait pu trianguler sa position. Donc on suit l'assistant pour voir si notre anguille est assez rapide. Pile sur le pont. Attendez, je vous envoie les données. Impeccable. Tiens, toi. Alors bah on va se choper le cerveau du coup, on va se coucher ou quoi? Ah bah ouais, carrément, vas-y quoi. Après c'est fini du coup. Ouais, allez. Allez. Le cerveau. Okay. Le cerveau. Attends, je vais te... hélicoptère quoi. Ah non. Merde. Merde. Bon bah c'est une camionnette, tout le temps, tant pis. Tant pis, tant pis. C'est moi qui conduis. Il y a un kilomètre à faire. Elle serait bon. Fais gaffe, il y a des flics. Ouais, prends là-bas. C'est parfait. Voilà, bon bah maintenant on va s'arrêter tout en haut. Ouais, ouais. Putain, il y a du monde. On va voir, on peut voir. Ah, et puis il y a des flics, il y a tout là en fait. Ça va être que du bonheur. J'ai identifié l'assistant. Restez à distance et surtout gardez-le en vie. Par contre, on doit lui filer le train pour retrouver le cerveau. Troisième cible. Je repère un petit groupe d'ennemis. Pile et l'assistant d'El Cerebro sont vous faire repérer. D'accord, un peu simple. Cible abattue. J'envoie.
point qui se trimballe avec des pistolets. Oh putain, il y a toute une unité de la Ionidad. Oh putain. Pivot. L'assistant, il s'est barré. Vite, la voiture. Et où? Allez, la voiture. Ah, la voiture. Go, 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 go. Oh non. Vas-y, je suis encore. Connard raccourci. Je l'ai encore. Il a passé le pont. J'ai demandé à Pat Catarré de nous envoyer un véhicule. Je viens de le passer, c'est bon. Bien vu. Par contre, un gros. J'arrive. Il a laissé les caisses. Il a laissé les caisses. Comme si de rien n'était, faut passer tranquillou par là. Voilà. On se fait repérer gentiment. Voilà. J'ai pris l'hélicoptère, j'arrive. Ah, ok. C'est bon. Je suis au-dessus de toi. Parfait. Bon, je le suis gentiment en voiture, comme ça s'il a nous le perd, l'autre il peut l'avoir. Reste en hélico quoi. Yes. En plus je peux te repérer donc. Impeccable. Bon, rester un peu à distance quand même. Prends à droite. À droite et sur le pont. Il a pris à droite encore. Il rentre dans un camp. Ouais. Ouais. Faut que tu t'arrêtes. C'est là. Ouais, c'est là. Sur place, on passe en non létal. Il nous le faut vivant. Et ben voilà. Ah ouais. Attends. Ah bah tu ouais, forcément. Ok. Ah bah je crois qu'on n'a pas fait pire encore. Hein. Attends, faut que je le prenne pour aller de l'autre côté là-bas, non? Tu veux qu'on aille par l'autre côté? Oui, c'est important. Oui. Parce qu'en fait, tu vois où elle est la flèche jaune là? Ouais, j'ai vu. Hein. Allez. Ah, c'est chaud là. Hein. Oh non. Quoi? T'as entendu le discours là? Non, c'est fait repérer, l'assistant est en train de te barrer. Bon, après, ça n'a pas changé grand chose. Mais... Putain. Ouais, bah, pose-toi sur l'île là. Ouais, il a disparu. Ah, il a disparu. Vas-y, déchange gentiment. On a échoué. Je descends. Non mais ouais, descends un peu, voir ce qui se passe. Ouais. Pose-toi dans les cailloux, on va voir ce qui se passe, ouais, par là, c'est bien. Non, il dit pas qu'on est soupçonné, si on est soupçonné, donc Après, faut peut-être le trouver aussi, hein, de base. Ah. Ouais. Nickel, vieux, bien joué. Le câble. Bon, attends, il n'y a plus qu'à essayer de faire discret, et puis... Ouais, ouais, parce que là, il y a du monde, hein. Ouais, sauf qu'on est du côté de la grille. Ah, putain, il y a un brouillage. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Bon. Oh, je suis en train de repérer, moi, c'est bon. Tu les situes ah ouais à t'es pas brouillé, toi? Non. Cible avec des pistolets mitrailleurs. Oh, le monde qu'il y a, putain. Ah bah attends, c'est le boss du truc. Je vois deux sicarios. Dis-moi où? À l'extérieur de la maison.
Ah, je pense pas qu'on ait échoué parce que ça nous dit qu'il est à 200 mètres. Terminé pour lui. J'aperçois un petit groupe de cibles. Il y a une alarme là. Visuel, c'est un groupe de sicarios. À l'extérieur de la maison. Putain. Ah, il est là-bas. Tu l'as repéré. Bien joué. Je suis en train de repérer encore du monde. Putain, mon pote. Par contre, faut le capturer. Hein. Il n'y a pas de point d'entrée hein, pour l'instant. Ouais. Dans la baraque avec je sais pas combien de personnes autour de lui. Putain mon pote. Ah si on peut passer par là. Je sais pas pourquoi, mais par là on peut passer. Là où je suis ? Bah pile là où je suis on peut passer. Là, il y a écrit franchir, j'ai pu franchir. Par contre, ouais, putain, on arrive de l'autre côté. Ah, on peut peut-être le choper tout seul, comme ça. Mais on n'en fera pas grand-chose. T'as réussi à franchir ? Non, parce qu'il y en a un qui m'a vu. Du coup, j'ai arrêté, je me suis caché dans les feuilles. Il est à 40 mètres. Putain, ouais. Il est pas loin. Oui. Il est juste là, le con. Oh, on il pourra le choper là, en bas. Ouais, j'ai réussi à franchir. Il va souvent en bas où il y a personne, mais si on le capture en bas, ça sert à rien. Faut l'extraire d'habitude. Donc là, l'extraire sans rebuter du monde, ça va être chaud. Ah bah, ils sont trois en plus. Je sais pas trop. Ah, là, c'est con, c'est le deux, mais on s'en fout. Le problème, c'est que si on se fait repérer, t'as vu, il y a l'hélico dans la tour, donc il va se barrer avec l'hélico. Ouais, bah après. Il bouge beaucoup, hein, ce con. Bouger les vieux là. En bas quand il se balade, c'est vrai qu'il y a personne en bas, mais. Et quand on le, si on le saisit en, si on le saisit en bas, qu'est-ce qu'on en fait? T'as, regarde où je suis. S'il revient vers moi, je le chope. T'as vu où je suis? Ouais. Ah ouais. Putain, il est vraiment. Ah putain, il est juste au-dessus de moi. Ouais. Ah, s'il rentre dans la pièce, je le chope. Pour le choper, c'est carré. Ouais. Ah ouais, carré. Attention, il va descendre. Oh, il est juste au-dessus. Oh putain, ouais. Ah, mais il descend. Oh merde, quoi, il est passé à 2 mètres de moi. Ah, oh, mais il va passer, attends. Tant tout à l'heure, j'ai remonté par là où t'étais. Ok, il va peut-être faire le tour. Oh, il arrive. Il va venir derrière toi. Il arrive, je le chope, il s'est fait. Silas, salut toi. Je l'ai eu. Putain, je l'ai.